Je suis ici par soutien. Soutien pourquoi ? Soutien par intérêt. Je suis venu ici par intérêt. Pourquoi par intérêt ? Parce qu'avec Patrick Leyaric, je mène un combat, mais un combat qui est très difficile, mais qui est très enthousiasmant. C'est-à-dire que la première fois que Patrick est venu avec moi dans les camps de réfugiés palestiniens, ça fait déjà plus de 10 ans, et systématiquement, tout ce qu'il dit, il le fait. On a été ensemble dans les camps du Liban, on a été dans les camps juste 2 jours après la guerre à Gaza, on a été à Jenin, on a été à Jérusalem, on a été partout. Et systématiquement, il a un courage politique extraordinaire. On n'a qu'à regarder simplement toutes ces interventions qu'il fait à l'Assemblée européenne. Il n'y en a qu'un qui parle de la Palestine et qui défend la Palestine, et qui défend la paix en même temps, c'est Patrick Leyaric. Et moi, je dis qu'un mec comme ça de parole, qui est député ici en France, eh ben il va remuer toute l'Assemblée nationale en leur disant, voilà, il y en a marre, ça fait 64 ans que ça dure, que la Palestine elle est en train de crever, prenez une décision, il faut que vous fassiez quelque chose. Et le seul qui est capable de faire ça, c'est Patrick Leyaric comme député. Et c'est pour ça que je suis venu ici, et pour vous dire que jusqu'à dimanche 8h du matin, eh bien, il faut aller chercher les voix une à une, parce que ma crainte, c'est qu'il y ait de l'abstention. C'est ça, ma crainte. Faisons voter ceux qui ont voté pour nous, déjà, là, pour le Front de Gauche, on fera un bon résultat. Et je suis persuadé que dans cette ville, je suis persuadé que Patrick fera un excellent résultat. Parce que les communistes, ils sont convaincus que c'est un excellent candidat. Alors, c'est pour ça, c'est simplement un petit témoignage. Je connais bien Patrick, c'est un type que j'aime beaucoup parce que c'est un type qui est clair. Et je crois qu'il faut que tous, c'est pas qu'on aime bien, c'est qu'on aille faire voter pour lui. Et c'est ça qui est important. Je dis ça sans donner aucune leçon, sans dire comment il faut faire. Mais chacun ici a sa façon de faire. On appelle ses cousins, on appelle sa famille, on appelle ses copains. Et il faut qu'ils aillent tous voter en masse dimanche pour Patrick Leyaric. Merci.